les amis, donc on se retrouve pour un nouveau live donc sur FIFA 20. Je pense que demain ça va être du live sur LOL, donc c'est à dire à fond. Donc on verra ça. On a gagné au rugby. Alors est-ce qu'ils ont recréé une équipe? Aucune idée. En ligne. Non. Peut-être qu'on jouera même. On pourra peut-être faire un jour les défis de Fortnite, parce que bon. Une fois que ce sera fait, on ne saura pas revenir. Il n'y a plus rien à faire sur Fortnite, c'est ouf. Oui, il faut que je télécharge aussi Call of Duty, parce que bon, c'est bien d'avoir Call of Duty, mais derrière, il faut jouer aussi. Puis demain, il faut que j'appelle pour voir combien de temps que ça dure, leur truc, là. Parce que sinon, on s'en va à 21h45, moi, ça me va. Allez là, PC là, qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Alors, récompense objectif, pas de joueur. Oh merde, faut que je fasse rival aussi. Fuck. Ouais, c'est bon ça. On va garder le rang 3, on va essayer d'augmenter tout ça. Parce que là, je suis au rang 3. Donc je peux être putain, c'est 11 000, et heureusement que j'ai refait un match hier, hein. Putain. Alors pour l'instant actuellement j'ai pack prime joueur mélangé, pack jumbo premium, ok, plus 10 000. Là l'objectif c'est ça, donc là c'est un prime joueur et pack. Bah non, c'est nul ça. Combien de sous? 11 000. Ouah, wow, putain, 17 000. 11 000. Par contre, pack jumbo or, pack prime joueur mélangé, pack joueur prime or. Bon, là on n'en parle pas, c'est 26 000. Ça va être un peu chaud quand même. Parce que 26 000, t'as combien là? Bah, t'as 12 000. Par contre, t'as rien comme crédit quand même. Hein. Putain. Alors, top 100. Bon, alors, à mon avis, ça doit être des badass ces joueurs. Alors, du coup, on va changer d'équipe. Parce que là, on va essayer avec la nouvelle équipe, bien sûr. Hein. On va essayer de voir avec l'équipe qu'on a nous. Alors, c'est pas celle-là. Ça, c'est des trucs espagnols. Bon, on s'en fout. On verra ça plus tard. Allez, salut, destructeur. Donc, on a ça. Alors, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Et là, on a Vendic. On a Vendic, les amis. Est-ce que je serais partant pour mettre justement l'attaquant espagnol là? Bah non, on a 84, on reste comme ça. Donc voilà, donc là on va faire les matchs et puis bon voilà. Alors l'objectif c'est quoi là? Alors disputer des matchs comme d'habitude. Alors lui c'est but prometteur marqué 1, 4 matchs différents pour gagner. Ah je suis à 1. Faut qu'il marque un but. Marqué avec un dernier. Putain, ça fait chier. Ouais, ça va être chiant ça si je veux faire ça. Bah écoute, on dégage William. En plus, c'est bien, on peut le vendre, William. Ça, j'ai beaucoup de joueurs là. On va le prendre. Comment ça va? Ouais, ça va. Écoute, ça va. On va aller à vendredi. J'ai un truc de prévu avec ma fille, une sortie le soir avec ma fille, n'est-ce pas? Donc tant pis, on sera à 99 et 84, tant pis. Voilà. Tac. Ouais, c'est orchestre, ça dure, donc en gros, je partirai chercher ma fille à l'école vendredi prochain. Donc on revient vite fait à la maison. 20 minutes après, on s'en va. On va à McDo. Et après, on va directement au concert. Ça va être fou. Je pars à 3h, je reviens à 10h, voire 11h du soir. Même au-delà, parce que ce que je comprends, ça,
Bon, on verra ça demain. Demain, j'appelle pour savoir combien de temps que ça dure, pour vraiment m'organiser à fond, quoi. Parce que j'ai commencé à m'organiser, mais bah déjà, il y a un plan qui est dans le cul. Donc, bon, on va voir. Puis en vrai, Farming Simulator, c'est méga bien. Farming Simulator 2019, il est méga bien. Alors, on va jouer en ça. C'était quoi l'équipe en dessous, là? Ah oui, c'est une équipe de malade. Ah ouais. Il a mis... Il a mis... Pourquoi il a mis ça là, lui? C'est un attaquant? Qui s'est branlé? C'est Gavardi. Il a eu cette carte là. C'est qui Bernardo Silva? Moi je suis en stage du 20 janvier au 7 février. Ah, nice! T'es dans quoi en stage de quoi? Hello, ma clope, elle est là. T'es en stage de quoi, gros? Ah merde, c'est vrai qu'il faut changer de maillot, j'aime pas ce maillot. Ah, c'est bien. Norwich. Ah, salut, bienvenue à Londres, très précisément à Stamford Bridge pour suivre ce match avec nous. Ah, là ça va être bien. C'est un match. On va pouvoir s'amuser du coup. Clash d'équipe qui nous attend. On attend un spectacle de qualité. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Ouais, moi je les aime bien ces clashs d'équipe hein. Dans cette compétition. Tu es sûr de ne jamais voir deux fois le même match. Là, il est vraiment bien. FS2, la tactique déployée. Chaque fois, c'est gratos. Stamford Bridge qui avait été vendu dans les années 70 par Chelsea qui avait besoin d'argent. Ouais, c'était pour éponger les dettes du club. Hein. Du coup, les Blues avaient dû partager leur stade à l'époque avec Fulham et les Queens Park Rangers. Alors, est-ce que Van Dijk veut faire son taf ou pas? La composition de l'équipe locale. Jordan Pickford pour garder le but. Virgil Van Dijk en défense aux côtés de Alderweireld. Dele Alli sera présent au milieu avec James Maddison. Et devant, ce sont deux joueurs que l'entraîneur a choisi d'aligner. La composition de l'équipe visiteuse à présent. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. Alderweireld, Dele Alli. Allez, il a un petit peu d'espace sur l'aile. Oh merde, il y a un jeu, je crois. Odegaard. Ce match sera marqué par les grands débuts du défenseur central dans sa nouvelle équipe. Ouais, tu as raison Hervé, on attend ça depuis l'annonce de son transfert. Ah, Ivan Dijk, nouveau joueur, un gros joueur même. Bernardo Silva, Jamie Vardy. Ouais, le ballon qui compte. Attention à cette action. Non. Et le but. Bon, bah, le ballon qui a touché le poteau et qui termine sa course. FS 2019, il est bien. Franchement, il est bien. Mais de fond, c'est l'un des meilleurs. Le 20 est moyen, mais le 20 est bien. Et le 19, il est très bien. Parvient pas à stopper. Bon, ça s'est fait. Sur l'aide du poteau, on le voit sur son ralenti. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Oh là, attends, tu vas marquer un truc là. Attends. Je suis en APR, agent polyvalent de restauration en CAP 2 ans. Et là, je suis sur mon premier stage en collectivité, en cuisine au collège. Voilà, voilà. Oh, du moins, que c'est l'important, c'est que tu aimes ce que tu fais. Et derrière, c'est ton choix. Et derrière, t'as du taf. Ligne. On cherche une solution. Pour son partenaire au premier poteau. Et à la bonne sortie, le gardien. Parce qu'il y en a, ils font des boulots Dele qui. Ouais. Oh la vache. La passe est coupée, bien défendue. Il y en a qui font des boulots, mais ouais, tu sais, c'est pas. Son gardien. Il n'y a pas de boulot là-dedans, quoi. Bah là aussi, tu fais si. En restauration, il y a toujours du boulot. Et t'arrives quand même à aller au boulot, même si elle est grave. Il avance encore. Le centre vers ses coéquipiers. Ah non, ce centre qui n'aboutit pas. Ah, mais c'est où ce joueur là en fait. Le ballon rendu à l'adversaire.
Oh, c'est bien donné, dans l'espace. Allez, dans l'espace. Oh merde. Ouais, parfait, parfait. Putain. Pourquoi j'attends à chaque fois pour faire la passe décisive à Under Gerard? Oui, bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Bah, je reprends les lives en fait, parce que maintenant je sais ce que j'ai aux yeux. Lofty check. Par contre, c'est une maladie que j'ai eue à cause de ma conjonctivite. Quoi. A complètement raté cette passe. Par contre, j'étais traité pour ma conjonctivite lorsque j'avais pas de conjonctivite. Quoi. Donc maintenant je sais ce que j'ai. Matt Doherty. Putain, les bâtards, ils jouent dans le dos de la défense. Le défenseur qui s'est fait passer sur cette action. Ah non, cette action qui s'arrête. Dele Alli. Haute garde. Allez. Bon, il y a allez. Un peu d'espace par allez. Là. Allez. Allez, il faut centrer. Ouais, oh, bien présent le gardien sur cette action, mais ce n'est pas fini. Là, c'est une touche. C'est quoi? J'y vais en taxi. Ah oui, mais ça, c'est bon. Ouais, personne. Ouais, il est bien placé pour centrer. On il fait pas faute là. Tacle, mais bon, ça joue. Ça pouvait siffler. On va voir si ça profite maintenant. Martin oui. Le garde. Ah putain. Le gardien qui répond au présent hein, sur cette action. Après, ouais, c'est en taxi. On t'évite les métros. Ouais, le contrôle est bon. Ah bah ben, intervention. Intervention parfaite. Hein, bonne anticipation. Wilfried Zaha. Encore une bonne passe. Il est en train de remonter le terrain. Oui, on dit. Ouais, bon tac, il prend la balle. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Oh, bien, Van Dijk. Bon, et le ballon qui n'est pour personne finalement. Haute garde. Et attention, là il s'échappe en solitaire. Oui. Ah oui, il le met. Passe des deux derrière. Ouais, le but qui va être hein refusé. Pour une position de hors-jeu. L'arbitre central a décidé de suivre son assistant. Comment ça? Comment? On revoit cette action au ralenti. Et l'arbitre assistant a levé son drapeau. Il a signé pardon hors-jeu. Ils sont sérieux? Ils sont sérieux là? Haute garde. Merde! Ouais, putain, la blague, toi! Sur la même ligne, bah non, il y a hors-jeu. Bon oh tacle, mais ce n'est pas fini. Oh, c'est dangereux! Pas de soucis pour le gardien. Haute garde. Non, ah, mais Haute garde, il est nul! Mais c'est un adversaire. Après, il a 80. Qui récupère. Il cherche des solutions là. Mais alors, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Ta mère, toi. La passe est coupée, bien défendue. Rashford. Allez. Entre dans la zone allez dangereuse. Centre long au second. Oui côté. Le but yes. Le but qui ramène les deux équipes ah, à oui égalité. Et ben voilà, on revient au point de départ en fait. Il stoppe le but est content, il peut les remercier son coéquipier. Pépé qui va. Le centre était parfait, donné dans le bon timing, bravo. Van Dijk et Couto. Voilà donc à égalité un but partout. Ah merde. Wilfried Zaha. Et bon appétit pour ceux qui mangent. Donc ouais, donc il y aura des serveurs sur FS19, on fera des lives, hein, bien sûr. Donc là, je m'y fais un petit peu, on verra bien plus tard. Mais en vrai, c'est stylé. Par contre, les missions, comme ils sont chiants. Visiblement, on cherche la brèche en faisant tourner. Ah non, hein. Il faut que Odigar, il marque, putain. Ça y est, c'est la mi-temps. Première période équilibrée hein, au niveau du score, c'est un partout. Ah mon équipe est vraiment bien. Là avec Van Dijk et tout. Sachant que j'ai pas encore Bernardo Silva. Regarde Van Dijk, regarde Van Dijk. Et premier match que je fais avec Van Dijk hein.
Avec les nouvelles équipes. Là j'essaie d'augmenter un peu plus pour avoir des cartes un peu meilleures pour demain. Parce que demain c'est le clash d'équipe. Le coup d'envoi de la seconde période entre deux équipes qui pour l'instant font jeu égal. Non. Ah, c'est un ballon perdu. Attends, Vendix, c'est bien gamin. Allez là-haut. Nicolas Pépé. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. À Marseille ce soir. Sérieux? Wilfried Zaha. Mais il court plus. Un petit peu d'espace devant lui. Il court plus Philippe Henderson. Une solution. Tâche peut centrer. Ça part au deuxième poteau. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Ah, la passe en profondeur. Attention. Allez. Martin Odegaard. Oh oui, que Odegaard qui marque. Oh le but. Oh Odegaard qui marque les gars. Oh là là. Espagnol. Qui ne peut que détourner le ballon dans ses buts. Attaque, bon. Patate. Au l'extérieur du pied. Allez bim. Attendez qu'on voit ce but d'un autre point de vue. Let's go. Oh. Ah ouais, grave. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2 buts à 1. Oh, Odegaard qui marque, c'est bon ça. Vous le laissez marquer, comme ça j'aurai une meilleure carte pour apprendre mon équipe espagnole. Un changement a été demandé a priori. Jouez ça. Ça sera pour le prochain arrêt de jeu. Oh. Allez. Et pourquoi pas l'égalisation. Ah, le plus. T'as comme Nico, il balèze hein, Van Dijk. Allez, Lucas Moura qui est rentré. Ce joueur qui sort après avoir livré un très gros match. Hein. Certains supporters se sont même levés dans les tribunes pour saluer sa sortie. Allez, la Helde. Oh la vache! Ce ballon qui est perdu, peut-être un contre. Oula, attention! Allez, faut s'appliquer sur cette possession. Là, il y a le mec qui est devant Van Dijk qui fait. Oula! Le mec qui est devant Van Dijk. Attends, je fais la passe! Ah, j'ai pas le vent de Van Dijk, il y a de la merde. Hein. Première grosse carte que j'ai dans. J'ai eu dans un paquet hier. Oh, il gâche un peu cette occasion. M'en fous, je perds du temps. À mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option hein, parce que le jeu c'était pas là. Mort rival l'autre jour, le match fou 6-4 en live en plus. Et le mec, il a des putains de cartes. 30 minutes à jouer hein, dans le temps réglementaire. C'est un monstre, ouais, grave. Ah, la bonne qualité. Et je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi ils l'ont mis en fin de compte, tu sais, 90. Il mérite plus hein. Il mérite tellement plus. Il gagne son duel. Transmet ce ballon. Arrête bon, tâche, hein, il lui a pris le ballon. Allez. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Oh, le grand danger. Oh ah, super. C'est qui qui a tiré gardien sur ce plongeon. L'autre, qui fait la passe en plein centre. Yo. Yo le duel. C'est bien. Yo, c'est bien. Le corner, le ballon en pleine surface. Oui. Oh. C'est peut-être qui ne donnera rien finalement. Ah ouais, le timing n'est pas bon, du coup ça passe largement à côté. Eh, de quoi? Il y a personne qui l'a drillé l'année. Bah grave. Bah même là, ils ont gagné encore Liverpool 4-0. Pff. Allez. Voilà. Mais c'est vrai que là cette année Liverpool laisse tomber hein. Et ils ont pas fait de transfert hein, Liverpool hein. Ils ont rien fait hein. Si je crois qu'ils ont acheté Chamberlain par le défenseur sur cette action. Merde. Oh là ça Van Dijk récupère cette passe. Allez tu pars. Allez tu pars. Voilà. Tu pars tout seul là, il court pas ceux d'en face. Allez. Nicolas Pépé. Oh le ballon dangereux. Oui. Qui permet à l'équipe ouais, de se détacher dans cette rencontre. Ouais, je regarde pas ce match-là parce que s'il veut gagner, donc ça sert à rien. C'est un remontée plus top. Spectaculaire. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie.
Allez, continue. Le ballon au pied. Ouais, elle a du potentiel. Ah, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Mais alors, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Oh putain. On cherche la faille dans la défense adverse. Pickford. Oh, magnifique l'arrêt. 2-0 pour. Hein? But de qui? Oh, j'ai pas regardé le match parce que j'ai pas. J'ai dit, je barre le match, ça sert à rien. Parce que, City en ce moment, ils sont bons. Donc, ils vont gagner comme d'hab. Voilà. Ils cherchent des solutions là. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. D'accord, ok. 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 Il s'infiltre. Ok. Ok. Attention à okay. Nouveau. Bah, c'est une contre-attaque absolument modèle qu'on vient de voir. Ouais, elles ont remonté le ballon avec beaucoup de détermination, avec du sang-froid dans la finition, c'est impeccable. Ah, le match qui a clairement tourné. Oh, le mec, maintenant. Il est putain de joueur. Attends, une dizaine de mètres, c'est le pro, c'est. Allez, il a un petit peu d'espace sur l'aile. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Oh, bien joué! Qui change de camp, magnifique. Allez Pépé, qui donne ses allez Pépé, oh oui Pépé, son entrée. Non, Pépé. Allez, il peut y aller tout Pépé. Seul. Pépé, Pépé, entrée sur centre. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Kaká, Kaká, Hugo Malo, Bernardo Silva, Jimmy Verdi. Je ne suis pas sur PC les gens. Ça va. Oula. Bernardo Silva. Oh Van Dijk, bien joué ça. La pépé. Oh non, elle a été interceptée cette passe. Lloris a arrêté un péno et allé se bagarre avec Sterling. Hein? Bernardo Silva. Pour qu'il ait été se bagarrer Sterling, lui. Genre Lloris qui va se bagarrer, n'importe quoi. C'est bientôt le terme de cette rencontre qui n'aurait été qu'une formalité en fait. Nicolas Pépé. Mais non, mais, ah, mais Pépé, merde, tu fais quoi là? Oui, bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Oui. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Allez. Oh, c'était mais non, Rien là-haut. Après, je m'en fous, j'aurai une carte à 84, donc je m'en fous. Après, si je joue avec l'Espagne avec une carte à 84, t'en es pas mal. Hein. En plus, un attaquant. L'arbitre a décompté 3 minutes hein, de temps additionnel. Bonne intervention. Intervention parfaite, hein, bonne anticipation. Allez, tu pars là-haut. Ah non, il a laissé passer. Oh, terrible. Un changement, Pierre, on dirait. Ouais, l'entraîneur qui préfère c'est revoir ses plans pour la suite du match. Mais what? Bernardo Silva. Pourquoi ils font ça, les joueurs, hein, toujours comme ça? Même les bots, ils font ça, je comprends pas. Et là, frappe. C'est cadeau. Elle est contrée, cette frappe. Oh, là, oh, quel plongeon superbe. Ils ont été séparés. Belle action avec une belle frappe de loin, mais bon arrêt du gardien. On voit bien sur les images que le tireur essaie de mettre de la puissance, mais ça ne suffit pas. Ah, il est bien parti ce corner. Bon, c'est bon. Pourquoi il laisse pas le match, pour les acteurs de ce match. En tout cas, il gagne. C'est terminé. Jamie Verdi. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Oh, 1500 crédits. Ah, il y a le bonus là de pendant je sais pas combien de temps là. Match restant 1. Oh, c'est au début de saison, t'as toujours des matchs crédits. Plaisir ça d'avoir des crédits comme ça. 700, il faut 11 000. Putain, il faut 11 000 quoi. Ça va beaucoup de matchs hein. On joue contre qui là? Oh, la gueule des joueurs. Regarde ça, gros. Par contre, là, c'est des grosses équipes qui en face. D'ailleurs. Allez, mais. Hey, combien de personnes bouffent leur fric avec pour avoir des cartes comme ça? C'est fou, hein. Regarde ça. C'est ouf. Là actuellement j'ai 10 000.
On a fait un là. Oh, on a Henri. Il y a pas de truc avec Ah ouais. Ah oui, je suis bientôt là, donc du coup là. Ok. Hop, Kiki, on trouve des... Trop de chance. Putain, qui ont trop de chance. C'est qui a trop de chance? Bon, on va jouer à ça, je pense qu'on va jouer... Bon, on va jouer comme en semi-pro, parce qu'en pro, putain, laisse tomber. Non! Non, annulé, retour. Voilà. On va pas jouer en pro, on va jouer en semi-pro. Continuer. C'est qui a de la chance? Je contrôle de bonnes cartes. Bon, gras. Ouais, mais attention! Moi, j'ai rien acheté avec mes propres. Mes sous. Hein, c'est mes crédits que je gagne avec les matchs. Là, les packs que j'ai eu. En plus, c'était en live. C'était. Les packs, tu sais, les défis du pack normal, basique. En plus, j'étais au téléphone. Donc, du coup, j'ai coupé mon micro. Et c'est pendant que je parlais au téléphone, j'ai ouvert le truc. Je parlais plus pendant 30 secondes. Ah ouais, c'est quoi le bordel? T'es tout content, tout ça? C'était hier, en plus. Et non, j'ai rien acheté. Ceux qui ont les grosses cartes, c'est ceux qui payent. C'est ceux qui payent, en fin de compte. Et c'est oufissime quoi. Oh, par contre la 80-84 ça pique. Hein. Putain il est bleu. What, il a un maillot comme ça lui. Bon bah on va voir ça. Putain il a Neuer et tout. Je sais même pas c'est qui le côté 84 MG là. C'est pour ça que j'ai mis semi pro. C'est ceux qui mettent, tu sais, qui font tout pour acheter des packs et tout ça là. Bonjour à tous, bienvenue. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui à Santiago Bernabéu. L'équipe toi en face 87 de général, le mec il a la plus mauvaise carte, il a 84. Hein. On va s'intéresser à la composition de l'équipe. Mais après, locale. Peut-être que le mec là, il a des cartes. L'entraîneur a fait le choix de positionner. Ça, c'est des gens qui payent le jeu lorsque ils jouent pas beaucoup. Une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. Qui est rendu au camp adverse. Tu sais, tu peux avoir des bons joueurs et au final, tu prends une burn. Hein. Jordan Pickford pour garder le but. Virgil van Dijk en défense. C'est comme le jour, le mec il avait Marcelo et tout ça, et au final, il est que de la merde. Sera présent au milieu. Il a même perdu deux. Quand il a perdu 2-0, il s'est barré. Pour finir, les deux attaquants que l'entraîneur a retenus. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Tiens, gros plan en pierre sur deux joueurs dont nous allons suivre la performance dans ce match. C'est bien normal. Martin. Oh regarde. Non. Ouais, non, ça passe assez loin. Mais des non, cages. Gros. C'est pareil, on disait que Cristiano Ronaldo, il est bon. Bah, quand vous regardez le match qu'il a fait, il a marqué que sur penalty. Hein. Azpilicueta. Non. La passe est interceptée. Putain. David Villa. Iniesta, contre-attaque peut-être. Ouais, pas très bien joué ce contre. Ça a été trop long et l'adversaire a le ballon désormais. Via Iniesta. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Mais nique ta mère. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air ouais, assez de gagner. Ouais, il a qu'à 10 buts, il a qu'à 10 buts cette année. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est incroyable, ça. Cher Sterling. L'ouverture du score, ouais, 1-0. Bon, après, je perds, en fait. Ça va être une touche. Yannick Bolasie. Serge Gnabry. Comme il a repoussé. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Ah la vache, mais il fait quoi au milieu là, bordel? Haute garde.
Ouais, après un bon pressing, putain, bien, il retrouve la position. C'est qui celui qui est au milieu là, mais putain, il est trop bon. Là. Non, elle a été interceptée cette passe. Ah tiens. C'était une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Mais what? Ça, comment je le fais bouffer? Allez, il peut prendre l'espace là. Iniesta. Allez, il lève la tête pour le centre. Il repousse le danger loin devant. Odegaard. Allez. La voie tu est pars. Libre. Tu pars. Allez. Nicolas Pépé. Martin Odegaard. Mais ouais, comment il est revenu lui? Oh, c'est contré ce tir. Putain. C'est qui celui-là? Bam! Ouais, elle était belle en plus, hein, putain! Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Donc, ouais, sans grand danger finalement. Tu veux l'avoir le ballon, Clover? Non? Mais ouais, tu l'as eu? Yannick Bolassi. Andrea Pirlo. Kevin Babou. Ah, c'est une perte de balle. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, Philippe, là-haut? Oh là là, ils sont perdus les joueurs là. Oh, ils vont plus le revoir, ils sont aux abois les défenseurs. Serge Gnabry. Oh bah allez, non, heureusement hein. Pour le gardien. C'est un pro le mec. Mais non, c'est en clash d'équipe. Là on est en clash d'équipe, je suis en clash d'équipe, je suis même pas en rival. Deck. Oh la vache. Il y a personne qui joue avec moi, c'est Lio là. Je suis en semi-pro, ouais, mais vu la gueule de l'équipe qu'il a, le mec, laisse tomber. Raté un match. C'est certainement un des joueurs les plus réguliers au plus haut niveau. Il est rarement pris au défaut, puis il est souvent décisif, et surtout dans les grandes occasions. Putain. Odegaard. Dele Alli. Rashford. Allez. Ah, oh, putain. Ah, mais même les défenseurs, la gueule qu'il a. Par contre, c'est le mec qui lui a pas besoin de jouer, tu sais. Adressé au niveau du point de penalty. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. C'est voilà. Contré par le défenseur de Bage. Oh le bâtard, il a même contré le truc. Ça sort, ce sera une touche. Bah, le mec, je sais pas combien il est en défense, mais putain, laisse tomber quoi. Nicolas Pépé, Dele Alli. Essaye Batate. De trouver la faille. Arrête, il revient. Madison qui a tiré. Ouais, j'imagine qu'il s'y joue contre moi, lui. Hein. Ballon rendu à l'adversaire. Ouais, bonne interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. Ouais, il a 87 jeux de général. Hein. Rashford. Felipe Anderson. Odegaard. Oh la vache! J'ai tout compris là, le défenseur, bien vu. Allez. Felipe oh mais putain plongeon, hein, sur ce ballon. Bah c'est Neuer ça. Bah oui. Putain c'est ouf. En plus c'est Felipe Anderson qui a tiré quoi. D'accord, on a bien tiré. C'est repoussé par le gardien. Felipe Anderson. Putain regarde ça. Contré par le défenseur. Ah, là il va partir là-bas. Peut-être l'occasion de placer. Heureusement qu'il a pas Messi hein. Ah, par contre, c'est des tortues, moi, les défenseurs, c'est des hautes tortues. Oh, le centre peut-être. Bon, attention, c'est pas fini. Lucadi, n'éloigne le danger. Mais non, gros, leur jeu. Bon, peut-être une occasion. Tacle parfait. Ça pouvait faire but. Serge Gnabry. Serge Gnabry. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh, oh. C'est dans la gueule. C'est ouf. Bah allez, c'est le bordel. Eh, ça pique hein. Je crois que celui-là c'est pas bon. 2 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'indique l'arbitre. T'as Rashford, il fait rien là. Pirlo. Kevin Babou. Bastian Schweinsteiger. Serge Gnabry. Non! Ah putain! Ah tu vois! Il avance encore. Oh là là! Heureusement qu'il a 20 déquins! Mais non, si! Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Légèrement au moment pour gagner les vestiaires 1-0.
Putain, la gueule du mec, toi, laisse tomber. Oh. Il s'est bouffé grave. Bah là, c'est là que je vois quand même qu'il faut vraiment des bons joueurs. Hein. Bah, je peux mettre plein de sous. Ouais. Je peux mettre de la thune dans le jeu, il y a hors de question. Les joueurs qui sont prêts, le coup d'envoi de la seconde période ici à Bernabéu. Et voilà. Espace directement dans les joueurs sont même pas dedans. Alors est-ce que c'est parce que le fait que j'ai tiré Mora en attaque? Est perdu. Il s'infiltre, attention. Le centre à destination de ses partenaires. Fernando Hierro qui va soulager ses partenaires. Donc c'est eux, c'est clash d'équipe, les gars. Hein. C'est pour ceux qui veulent savoir. Serge Gnabry. Bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. Mais Pierre, un petit mot sur la Pourquoi il a pas fait sa passe On peut dire qu'il a réussi une bonne première période. Il n'est pas non plus irrésistible. Mais s'il revient avec des bonnes intentions, il pourra faire mal au retour. Rashford. Martin Odegaard. Allez. Il progresse. C'est dans le paquet. Oh, dommage. Pour le gardien. Tranquille. Odegaard, ouais, pas mal. Hein. En rapide, en vitesse, deuxième vitesse, c'est pas mal. Hein. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Felipe Anderson. Martin Odegaard. Allez. Martin Odegaard. Oh, sans danger pour le gardien qui accompagne ce Martin Odegaard. Les amis, Martin Odegaard. Chez. Oui. Odegaard. Rashford. Martin Odegaard, bien repoussé par la défense. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pas personne finalement. Odegaard, le gardien qui remporte son duel. Mets-toi là-haut, là, voilà. Là, là encore. Bon. Ah, le ballon qui file en touche. Ouais, Pickford, dis donc, les passes, c'est pas ça, hein. Kevin Mbabou. Avec 30 minutes à jouer hein, dans le temps réglementaire. Faut que je le marque ce putain de but là. Bastien Schweinsteiger. Bien sûr, putain. Ah, la passe en profondeur, attention. Le centre au premier poteau. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Et Lucadi n'éloigne le danger. Faut bien couper la part le défenseur. Encore un bon ballon. Oh non, Odegaard, tu fais quoi là? Allez. Rashford. Allez. Sur son action personnelle. Allez. Pour qui ce sort? Ah ouais, c'était dangereux. Ah merde, il n'y a personne derrière. C'est dégagé au grand soulagement du gardien. Yannick Bolasie. Bolasie. Allez, excellente défense. Excellente défense sur ce coup. Oui, mais dégagez lui. Il s'est traversé par terre. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Oh là! Iniesta. Bien joué! Alors ça, c'est, oh, c'est la merde! Cette passe complètement à l'adversaire direct. Alderweireld, Naby Keita. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Mais il est sérieux l'autre là? Touche. Putain, c'est ouf! Schweinsteiger qui te donne le terrain. Et pourquoi il sort? Mais tant mieux, il sort, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il te permet de mener au score. Là, il y a vraiment un truc qui m'échappe. Andrés Iniesta. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Allez, le centre maintenant. Le gardien qui repousse, attention. Putain. Ah non, le ballon est perdu. Tout seul, lui. S'il avance balle au pied, il y a Big Bolasi. Ah, c'est déchiré hein, sur ce tir. Ah ouais, attends, non. Putain, c'est ouf. Ah, je vais perdre, hein, c'est obligé. Oh, la gueule de l'équipe en face, quoi. Odegaard. Rashford. Allez, Rashford. Ballon, ah là là, il a. Oh!
Qu'est-ce qu'on fait, joueur, là? Il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. Ah, il s'en veut d'avoir raté ça. Et ben, je le comprends. Hein. Il sait qu'il aurait pu tuer le match. Il joue son va-tout. Il veut absolument voir son équipe égaliser. Alors, il fait ce qu'il faut pour... Alderweireld. Virgil van Dijk. Nabi Keita. Odegaard. Bah, il se fait bouffer, Odegaard. C'est bon. Ibrahima Konaté. Bah, même Neuer, la règle qu'il nous a fait tout à l'heure, le balle de match. Hein. Les deux équipes qui font vraiment jeu égal hein, pour le moment. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge. Allez. En profondeur, oui, bien vu. Allez. Une balle d'égalisation. Oh, une balle. Regarde ça, la règle qu'il nous fait. Il préserve ce petit but d'avance et son arrêt fait grand bien. Ah, le gros pressing de l'adversaire qui l'oblige un petit peu à se débarrasser du ballon. Écoutez, les supporters qui poussent en cette fin de match, ils savent qu'on est peut-être un tournant de cette rencontre. Ouais, gros. Ah ouais, c'est bien fait ça. Iniesta. Oh là là. Mais alors, le gardien qui peut facilement Allez. S'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Nicolas Pépé. Oh ballon, putain, Pépé là. Je suis une passe normale là. Allez, Van Dijk. David Villa, oh le gardien qui repousse le ballon, qui écarte le danger. Allez, vite, vite, allez, on se dépêche, allez. Et on le voit avec ce changement, la mission, elle va être de tenir le résultat. Bonjour. Marcos Acuña. Iniesta. Allez, il faut centrer. Oh, il ouvre. Allez, pourquoi il attend. Allez, bouge-toi là. Très fermé. Ça manque de lui. Allez, allez bouge-toi là. Il y a mieux à faire. Deux minutes de temps additionnel viennent d'être annoncées. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, gros? Putain, il doit être fatigué de malade. Bah ouais. Iniesta, Marcos Acuña. Andrés Iniesta. Oh, il se fait bouffer, Azpilicueta. Oh là là. Allez, le centre à venir. C'était dangereux, mais la défense fini, hein. s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Ça siffle là, allez, c'est bon. Putain, voilà, 1-0. Quoi. Final, c'est fucking terminé. 1-0. Quoi. C'est fini, les joueurs qui subissent une défaite. Via Iniesta. Ah, mon gros problème, moi, c'est ma défense du côté. Du côté où il a marqué Iniesta, donc du côté droit. Je crois que du côté droit où il y a Azpilicueta. Ouais, c'est pas grave. C'est qu'une défaite depuis. C'est vrai que ça fait qu'une défaite depuis longtemps. Hein. Putain. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas perdu. Bah, si, après, il y a Rivol, bon, bah voilà. Mais. Ouais, la garde, ouais, fait chier, quoi. Des gardes, là, il fait chier, là. Garde, il est là. Alors attends. Là, il y en a 2-4. Donc faut gagner avec lui. Et il faut qu'il marque aussi. Passe décisive. Passe en profondeur décisive avec Bodyguard. Donc là, pour avoir Bodyguard à 84. Donc du coup, on aura un 80. Putain, merde, on sait même pas combien il a. 80. Ouais, on va dire 85, je pense. 86 même. Alors, on a un nouveau truc là. Alors, on a non au racisme. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Pack Jumbo Premium Or. Ah, intéressant. Alors, on va continuer à jouer. Donc là, on fait la mise à jour. Hop. Donc ça, on l'a fait. Alors, il y a quoi là? Bon là, il y a peut-être marqué la bodyguard. Allez, oh. Bodyguard. Bodyguard, c'est pas bodyguard. Allez les amis. Ah Martial, tiens. Celui-là Martial.
Ah, il est en fin de contrat. Ah merde! Mais non, gros! Bah, on peut mettre Thierry Henry aussi. Ah, c'est vrai qu'on peut mettre aussi Ten Michiani. Bon, j'y vais. Allez, bon app. Bon app, Mixup, merci d'être venu. Merci d'être venu, ça va zizir. On va leur mettre. Alors là, on va faire ça, mais il faut lui mettre un contrat. Voilà. Mais tu regardes Bordeaux OM. Mais bien sûr que oui. Maintenant, j'adore l'OM. Donc, j'adore comme la façon qu'ils jouent. Donc, oui, je vais regarder Bordeaux OM. Par contre, je sais pas si je peux le diffuser. Bah, je diffuse pas. Mais si je peux, je suis pas sûr que je puisse le faire. Mais comme le match du PSG Guingamp que j'avais diffusé l'année dernière, on m'a demandé de refaire la même chose. Mais je diffuse pas. Mais vous pouvez l'entendre. Donc, c'est-à-dire que je peux faire les commentaires, quoi. Mais bon, ça, on verra pour plus tard. Je pense que je vais reprendre des trucs comme ça. C'était marrant. Ça m'a bien plu, en plus il y avait beaucoup de monde, donc ça m'a fait extrêmement plaisir de le faire. Donc je montrerai pas les images parce que j'ai pas le droit de le diffuser, mais ouais, peut-être là, des trucs comme ça, commentaires comme ça, ce serait pas mal à refaire. Ce truc là serait bien, quoi. Enfin, compte du on va dire ça, ce serait du fest commentary en just chatting. Enfin, compte, ça serait Bordeaux l'OM, par exemple. Bordeaux l'OM, vous entendez le match, donc je baissais le son du match. Vous entendrez les commentaires des commentateurs du match, vous entendrez les supporters de l'OM, etc. Et derrière, moi, je fais waouh, même les réactions en plein match. Oh, quel but! Arrêtez pas! Oh, la faute! Oh, bah, y a pas penalty! Il y a tout ça, des réactions comme ça. Et même vous, derrière, si vous regardez aussi le même match, bah, vous pouvez dire ouais, non, c'est pas possible. Voilà, c'est quand je commente avec vous. Ce serait pas mal de refaire ça. Comme j'avais fait il y a un peu plus d'un an. C'est vraiment cool. Donc, on va voir. À voir. Bon, allez, bonne continuation. Ah, bonne continuation aux deux aussi. Et bon match, hein, pour ce soir. Bonjour, c'est Hervé Matou. Avec Hervé Matou. Son vieux complice, Pierre Ménès. Bien mené. Pour vous commenter cette rencontre. Oui, bonjour Hervé. Le complice, bonjour Hervé. Tu es bien aimable, mon petit. Bonjour à vous. Allez, on te garde, faut que tu gagnes, allez. L'équipe à domicile, dont voici la composition. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent au système. Ouais, tu fais toi. Dirige vers le gars, et là. Adverse. Allez, bien joué ça, Van Dijk. Voici donc l'équipe visiteuse, alignée par l'entraîneur. Jordan Pickford pour garder. Oh, bien joué ça. Virgil Van Dijk en défense. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Oh, c'est encore chaud. Oh, Martin Odegaard. Oh oui, Martin Odegaard qui met la main de Nunez. L'ouverture du score déjà. Oh là là. On est dans l'équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Poum. Pépé. C'est encore plus évident quand on voit les images. On était dans une situation de jeu nettement plus favorable pour l'attaquant. Allez, et pour le gardien. Il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. À fond dans les clashs d'équipe aujourd'hui. Ouais, le score qui est donc ouvert, 1-0. Qui t'a pas mangé comme tu dis, hein. Très bonne anticipation sur ce ballon. Oula. Hernandez. Oh, quel beau tir. Cette tête qui ne donnera rien finalement. Bah ouais, le timing est pas bon et du coup ça passe largement à côté. Bon, bah je fais une appel, lui veut pas. Bravo. Rashford. Mais non, ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Mais il est pas dedans, Rashford, là, je sais pas ce qu'il a. Bien joué, Van Dijk. Odegaard. Oh, c'est bien donné ça. Attention, la passe en profondeur. Il essaye de trouver la faille. Dele Alli. Martin Odegaard. Oh, frappe contrée. Oh, bah, bon, il a sauvé le corner, l'enculé. Sur ces images, on revoit qui permet à cette équipe de mener. Il a cherché le point de pied. Le gardien qui préfère boxer ce corner. La tête. Et repousse le tir. Je le marre d'ici, toi. On joue ça. Ah, ils ont récupéré le ballon après avoir bien pressé l'adversaire. Ah, il va falloir l'arrêter. Il y en a Dele Alli.
peut trouver une option disponible. Martin Odegaard. Wow. Ouais, là, il est gardien. Ah, faut qu'il marque contre garde, là, allez. Ceci. Alors, c'est un adversaire qui récupère cette passe. De jouer, Van Dijk. Wow, la faute. Il faudra revoir ce tacle, mais bon, ça, c'est mené en profondeur. Patate. Et le ballon bloqué par le gardien. Bah, la faute, le carton. J'espère qu'ils vont pas blesser Van Dijk, putain. C'est bon. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Tiens. Nicolas Pépé. Attention, il a du champ devant lui. Patate. Martin Odegaard. Ah, oh non, dommage. C'était une bonne opportunité, mais le drapeau s'est levé. Ah, il a réfléchi, il a hésité, l'arbitre. Nizan Jamberger, bon, bah, au final, il s'est décidé. Ouais, carton jaune. Odegaard. Ouais, la frappe lointaine. Oh, l'arrêt. Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, c'est pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, faut y aller quand même. Ah, il est bien tiré le corner là. Ouais, alors, c'est mal exploité. Enfin, il a été pris sous le feu du pressing et il a été obligé de se débarrasser du ballon. Ouais, merde, je suis planté là, il n'y avait personne. Je peux guider Pépé. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Ah si. Ballon qui est sorti en touche. Nicolas Pépé. Rashford. Okay. Le gardien qui s'empare du ballon. Ouais, tranquille, sans souci. Peut-être une bonne opportunité, attention. Le ballon rendu à l'adversaire. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Attention. Oh oui. Oh oui. Oh le but. Mais ça termine dedans. Oh le but. Voyons, tout le monde se barre, allez. Et on était 5-6 et boum. Ah oui, le but, regarde. Au départ, on croit que le ballon va sortir. Ouais, moi aussi, mais le poteau lui a été favorable. Ah bien, voilà, ça fait maintenant du but des gardes. Après, comme ça, si je peux mettre le garde en milieu, comme ça, je passe en profondeur, on n'a pas le but. C'est un mauvais espace, c'est cadeau. Petit peu d'espace. Mais non, gros, Philippe, là-haut. Il a coupé la ligne de passe. Oh non, pas faute, hein. On cherche des solutions, là. Allez, bon. Allez, il continue. Oui, le centre peut-être. Van Dijk devant lui. Il a peur. Merci. Tacle impeccable. Ce sera une touche à suivre. Chercher une ouverture, bien sûr. Arrête, merde. Ouais, l'arbitre qui intervient. Ce sera un coup franc. Allez, à lui de s'appliquer. Il faut mettre l'adversaire en danger. Van Dijk pour éloigner le centre. Il est bon, hein, Van Dijk, hein. Oh, il peut centrer. Azpilicueta au contre. Dembélé, Ali. Rashford. Oh, la bonne inspiration. Ah non, fort jeu là. Oh, ouais, gros. En jeu, il est parti trop tôt. C'est coupé et bien défendu. On entre dans la zone dangereuse. Allez, il faut centrer. Oh, tacle dans la surface, c'était osé. Ouais. Mais il a eu raison, ça a payé. Attaque. Mais tu vas faire que des tacles, tu sais. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Rashford. Oh, que c'est bien donné ça. Oh oui. Nicolas Pépé, il s'infiltre. Felipe Anderson. Oh, c'est en... Ah oui. Golasso. Le gardien qui ne peut rien sur le deuxième ballon.
capté une première fois la parade, mais il n'y a rien pu capter ensuite. Le réalisateur qui nous remonte ce but. Ah, ce match qui vire à la démonstration dans cette première période. L'arbitre qui siffle à l'instant la fin de cette première période est déjà 3-0. On attend une réaction. Ok, il est 19h50. Oh merde. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Bon allez, on va jusqu'à le 2 là. La seconde période soit un petit peu plus équilibrée. C'est vrai que cette équipe n'a pas été beaucoup inquiétée en première période. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Mais bon, tac, il lui a pris le ballon. Il laisse l'avantage. Ouais, c'est bien arbitré. Ouais, je fais un peu plus de fautes. Hein. Il progresse. Ah, il a bien lu ce centre, le gardien. Les cours. Bah alors, tu cours pas toi? Ouais, un bon ballon d'attaque. Dans la surface. Wow. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Et bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Et j'ai frisson hein, dans la défense parce qu'il n'est pas passé loin cette carton balle. Jaune peut-être pour. Oh putain. Ouais, carton jaune hein, qui est arrivé de façon un petit peu tardive. Ouais, on sent que l'arbitre a hésité. Un changement pire, on dirait. Hervé, on va voir si ce changement modifie le cours du match. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Putain! Faut que je remplace ce gars. Oh. Il y a faute là, c'est évident. Aïe aïe aïe. Il devrait y avoir un changement, Pierre. Ah, c'était la meilleure chose à faire, en tout cas, c'est ce que pense l'entraîneur. Ouais, c'est le gardien, quel dernier mot sur ce ballon. Ouais, belle sortie. Trouver l'ouverture. Là, il fallait intervenir urgemment. Martin Odegaard. Il va y aller. Je pense qu'il parvient finalement à s'en sortir. Nabe Keita. Ouais, excellente intervention. Il récupère ce ballon. Oh, Vandik. Non, pas toi. Joue ça. Rashford. Cherche la solution là. Enculé, putain, c'est qui celui-là là? C'est bien défendu, il a conseillé la touche. Fredriksson, putain de bâtard. Oh, pas ça gros, contrôle, il fait un sens. Intercepté. C'est quoi ça? Ah, il se barre maintenant. Allez, bah ouais. Dessus. On cherche une solution. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Ah, on l'a déjà vu plus précis hein, quand il centre. Nicolas Pépé. Un ballon pour l'adversaire. Odegaard. Ballon en profondeur. La 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 la. Ouais, bien joué. Très bien joué de la part du gardien. Excellente sortie dans les pieds. Patate. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il a pas cadré. Bah, Ali. Ali va rentrer. Non, il va sortir. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Il a du mal, hein, Odegaard, hein, putain. Nabe Keita. Dele Alli. Rashford. La frappe. Ouh, quelle frappe du gardien au prix d'un quelle frappe de Rashford. Ouais, ça fait le boulot, c'est tout ce qui compte.
Le corner en direction du point de pénalty. Un ballon facile pour le gardien. Ah, c'est dangereux avec cette tête. Oh oui, encore une bonne passe. Oh, j'ai tenté. Pour le gardien de but. C'est marqué. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Oh, c'est bien donné en profondeur. Nicolas Pépé. Ah oui, quel but! Quel but de Odegaard! 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 Bodyguard! Oh, la tête qu'il met! Il a un très bon jeu de tête. Hein. Pour ça, il est à 80. Hein. Il vient la trajectoire du ballon. Beaucoup, hein. Un petit coup d'œil pour voir où est le gardien. Il l'a photographié, c'est au fond. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Le favori qui a répondu présentement dans ce match. De belle manière, faut le reconnaître. Tout va paraître encore un peu plus facile maintenant. Rashford. Voilà, fou. Oh, le vilain tacle. Où l'arbitre va carton servir, rouge. À mon carton rouge. Bon. Celui-là. Ouais, faute sanctionnée d'un carton jaune. Il va falloir faire gaffe maintenant. Oh, la tête bougeante. Pour le gardien. Rashford. Non, trop long. 8 minutes, hein, c'est le temps qui reste à jouer. Lucas. Haute garde. Ouais, l'intention était bonne, mais ce sera pour le gardien. Ouais. Si cela est passé. Et encore une bonne passe. Il essaye de trouver la faille. Il cherche la faille dans la défense adverse. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Wow. Le gardien qui repousse. Il essaye un petit peu d'air avec ce dégagement. Allez, dessus, allez. Voilà, bien. Oh! Allez, Van Dijk. La frappe! Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. Mais maintenant! Mais maintenant, pas prendre de risque. Mais maintenant! Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. L'action n'ira pas plus loin. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Oh, c'est quoi ça? Personne. Putain! Fin de match avec des supporters qui n'arrêtent pas de chanter. Ouais, ils savent qu'ils peuvent encore aller chercher mieux que ce résultat, c'est pour ça. Putain, la passe de merde, toi. Ah, merde. Et voilà, on s'y attendait. Et là, il me le blesse. Putain, je serais fou. Nicolas Pépé, il s'enfuit. Oh, 1060. On va continuer, je pense. Hein. On va essayer de faire hors 2 là. Je pense qu'on va aller à hors 2. Hein. On va essayer d'aller à hors 2. Hein. On a 500 points. Ah ouais? Pourquoi on a 500? Attends, on a 500 points? Pourquoi on a 500 là? Ah bah attends, parce que c'est match fut amico. Paramètres de jeu, semi-pro, bah oui. Ah si, attends, faut que je voyais un peu un truc, parce que... Faut que je regarde l'équipe si elle a un problème de... Comme ça j'aurai un pack gratos. Hein. Faut que je regarde la santé de l'équipe, parce que je crois qu'elle a un... Bah, santé. Elle doit être fatiguée. Oh bah ouais, regarde ça. Pff. Bah ouais, gros.
C'est normal qu'on perd. On a failli perdre. Tout à l'heure, on a perdu parce qu'ils étaient fatigués. Pff. Putain, bah oui. Bah, ça change tout maintenant. Putain. Merde, ils veulent qu'on joue en match amical. Match amical, là, c'est ouf. Là, on va jouer avec l'équipe de mon frère jumeau, tiens. Là, on va jouer avec l'équipe de mon frère jumeau, mais cette fois-ci avec celle-là, cette équipe-là, là. C'est hier, j'ai perdu. Et non, quoi. Avec mon équipe espagnole. Lui, c'est Première Ligue ou Liga qui est plus forte. Tiens, c'est chiant, je sais pas qu'est-ce qu'il a comme équipe en... On va prendre Première Ligue, tiens. Il a quoi comme maillot? C'est quoi ce maillot? Rogue. D'où la Rogue, lui? Ah ouais. Hop-là. Oh merde! Ah oh, mais comment il loupe le ballon lui, sérieux? Je vais pas me faire chier avec ça, moi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Stamford Bridge, Mr. Peter. Yes, hello Hervé, hello everybody and welcome in London. Nicolas Pépé, attention, il est tout seul démarqué. Il est bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Je sais pas où ce qu'il avait comme joueur. Voici la composition de l'équipe à domicile. Jordan Pickford pour garder le but. Virgil van Dijk en défense. Alors, jeu qui est signalé. Attends, il a... C'est dommage hein, pour le joueur. Il a Mahrez. Attends, t'as pas comme dire que là, il a encore les plus gros joueurs de la Première Ligue quand même. Putain, si c'est ça, c'est ouf. Rashford. Ligne. Hors-jeu, oui, monsieur l'attaquant. Regarde les noms qu'il a. Putain, il y a des drôles de noms, lui. Mais il a Mahrez, regardez, Walker. Il a même Walker. Mais what? Il a même Walker. En même temps, il a joué. Réalisateur qui s'attarde sur les deux joueurs qui sont sans doute les éléments les plus dangereux hein, de leurs équipes respectives. Ah, c'est sûr qu'avec toutes leurs qualités, ce sont eux qui détiennent sans doute. Oh, que c'est bien donné ça. Arrête, putain, il court trop vite là, Pépé. Ah, c'est mieux quand ça court plus vite. Hein. Ouais, mais moi j'ai Van Dijk, mon gars. Toi, tu l'as pas. Personne. Oui, il a centré là. Roberto Firmino. Technique de Firmino. Il est Firmino. Personne. Comment il a fait pour avoir ce joueur-là? Il faut qu'il centre maintenant. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Haute garde. L'arbitre qui siffle, un enjeu lui a été signalé. Franck Lampard mal au pied. Mesut Ozil. Ouais, ça joue bien collectivement, ça circule bien. Ouais, tu pars. Nicolas Pépé. Pars. C'est parti vers le deuxième poteau. Oui! Let's go!
but de Virgil van Dijk. Ah, van Dijk qui marque, les amis. Premier but de van Dijk. Premier but de van Dijk, regardez. Oui, tout part du centre, mais que dire de cette tête, hein. Quelle tête t'empêche. Bam, patate et but. Le score qui est donc ouvert, 1-0. Pourtant, le tir, il est à 60. On est sur l'aile. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Chercher une ouverture, bien sûr. Non, non. Ah, ce ballon qui n'est pas cadré. C'est qui a tiré? Lampard. Putain, il a même l'icône de Lampard, sérieux. Ligne. Un joueur très important hein, dans ce groupe, Pierre. Oui, c'est ce qu'on appelle un métronome, hein, toujours disponible, toujours tourné vers le collectif. Un élément précieux pour l'entraînement. Au centre à destination de ses partenaires. Oh, et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Un petit peu d'espace devant lui. Dele Alli. Martin Odegaard. Martin Odegaard. Putain. Et le gardien qui remporte son duel. Putain, mais il a pas faute là. Kyle Walker. Odegaard. Allez là. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Ah le bâtard, lui. L'attaque est propre, efficace, très bonne interception. Ah putain. Bon, oui, il y a faute là. Il y a faute, pas de carton, mais coup franc, ça c'est sûr. Ouais, pas de prise de risque, ballon dégagé. Mais pars toi, putain. Bon, bah, je pars. Hein. Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'en... Il y va tout seul. Voilà, nouvelle occasion. Il faut trouver une option disponible. Il essaye de trouver la faille. C'est qui est revenu, là? Mahrez qui est revenu. Une sortie de but. Quoi? Il y a les joueurs qui ont pris la... Mais c'est Mahrez qui le touche. Grâce à ce but que nous revoyons à nouveau. C'est Mahrez qui le touche. On m'arrête, putain. Depuis la surface de réparation. C'est Mahrez qui le touche, corner. Il y a même pas corner. What the fuck, quoi. Bon, avant de dire que là, c'est... Ouais, bah, il l'a eu. On va donc conduire à l'adversaire. Les autres îles. Oui, Van Dijk. Ouais, on voit une équipe qui, sur le dernier quart d'heure, a pris le jeu à son compte. Et à force de se créer des occasions, ça pourrait se terminer par un nouveau but. Dele Alli. La bonne lecture, là, pour intercepter ce ballon. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Il avance encore. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Ouais, l'arbitre qui intervient. Ce sera un coup franc. Putain, mais il a des putains de joueurs là, sérieux. Oh bah d'accord, je comprends pourquoi. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Ballon capté par le gardien. Bon, allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Jamie Vardy, Kyle Walker, et il centre vers Ozil. Ah non, il est... Oh, l'action qui a vraiment donné quelques sueurs froides aux supporters, mais c'est bon, le gardien a pu rassurer les siens, a pu écarter le danger. Oui, ça se joue à... Ah, la passe en profondeur, attention. Finalement, ça ne donne rien. Roberto Firmino. Firmino. Et il récupère le ballon. Odegaard. Ah, il récupère. Les vertus du pressing. Alors que vous découvrez le temps additionnel, décompté 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. Un bâtard. Le gardien, c'est pas fini. Jouez ça. Allez. Dele Alli.
Oui, allez, cours. Allez, il a un petit peu d'espace sur l'aile. Non. Ah, dommage. La mi-temps qui vient d'être sifflée. Putain, l'équipe de fou qu'il a quand même, hein. Mahrez, Walker et tout. Putain, et j'arrive à gagner, là, putain. Et c'est en semi-pro. Hein. Par contre, Van Dijk, hein, toujours aussi bon. Putain. Le match reprend à l'instant. Début donc de la seconde période. Le long de la ligne de touche. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Ouais, le bon arrêt là qui éloigne le danger. Haute garde. Aspilicueta. Martin Odegaard. C'est une faute, il a mal maîtrisé son geste. Pratis. Allez hop. Ah oui, jaune. Carton jaune. Ouais, là il a grillé tous ses jokers. Allez, à lui de s'appliquer, il faut mettre l'adversaire en danger. En haut de l'air pour la défense avec ce dégagement. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant, on peut dire qu'il a été bon quand même. Il a livré une première période franchement correcte, mais on sait qu'il est bonne sa défense, encore mieux. Un ballon pour l'adversaire. Mesut Ozil. Vous avez reconnu Frank Lampard, de balle au pied bien sûr. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Mahrez. On cherche des solutions là. Ouais, le ballon en retrait. Oh, c'est dévié. Heureusement. Mesut Ozil. Oh, poteau. Oh, quel dommage. Oh, ça aurait été un but fabuleux. Ça aurait été mérité, je dirais, parce que la volée était super bien exécutée. Putain, bâtard. Attends, il a même Bernardo Silva là. Alors en Espagne, il a tous les plus gros joueurs et là il a encore les gros joueurs. Il manque plus qu'il ait Messi à Barcelone et puis là, putain, ça sera une équipe de fou. Ça tourne bien en ce moment. Putain, en Angleterre, il y a des putains de joueurs qui savent. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Nicolas Pépé. On va peut-être assister à une contre-attaque. On a bien défendu. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Ce ballon qui est dégagé. Foutu Franck Lampard de balle au pied bien sûr. La contre-attaque qui se développe petit à petit. Qu'est-ce qu'il va faire? Franck Lampard qui prend sa chance. Ballon bien négocié par le gardien. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Nicolas Pépé. Oh non, elle Pépé pas, pas destination. Ah putain, mais il est bon lui, salaud. Il s'enfonce. Allez, Van Dijk, allez, Van Dijk, allez, Van Dijk. Non, sort pas, sort mais pas. Mesut Ozil. Oh l'arrêt. Le gardien qui s'interpose une fois de plus. Putain. Il est parfait. Rien d'autre à dire. Parfait. Anderson. Oh là là, putain, l'arrêt du sort plus fort là. À côté, hein, même pas de frisson pour le gardien. Ah, l'entraîneur, il ose en tout cas. C'est plutôt bon signe pour la fin de match. Alderweireld. Nicolas Pépé. De Léali. David Silva qui cherche à récupérer le ballon. Oh, David Silva, il est aussi. C'est quoi ce joueur là? Les Otozil. Philippe Anderson. Et André Anderson. Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Dis plus là le MOC. David Silva. André Robertson. Philippe Anderson. Oui, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Allez, dégage, très loin. Van Dijk vient jouer. David Silva. Vous avez reconnu Frank Lampard de balle au pied, bien sûr. Il va pouvoir centrer. Attention à Frank Lampard. Bien joué. Allez, tu cours là-haut, tu cours. Très mal donné, hein, ce ballon. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Et ce ballon qui est perdu.
Ouais. Pas faire la même erreur que l'autre jour. Ah merde, putain. C'est-à-dire que du Franck Lampard, de balle au pied, bien sûr. Rashford. Odegaard. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. Il est un petit peu Allez. Cerné, là. Il poursuit son action. Intervention défensive pleine de classe. Hein. Dans la surface, il faut oser. On va maintenant assister à un changement. Direction le banc de touche pour Mesut Özil. Odegaard. Allez, le centre à venir. Allez, le danger qui est écarté. Et la défense qui va pouvoir souffler. Contrer cette frappe. Dembélé Ali. Odegaard. Il tacle. Mais Sokratis qui préfère dégager. 7 minutes. 7 minutes à jouer dans ce match. Tammy Abraham. Il essaye de trouver la faille. Bien joué. Beau geste défensif. 1-0, mais bon, c'est mérité. Hein. Écoutez, les supporters qui poussent en cette fin de match, ils savent qu'on est peut-être un tournant de cette rencontre. Ouais, grosse ambiance ici, en effet. Il faut dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer, les joueurs le savent. Riyad Mahrez, il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Allez, il faut s'appliquer pour centrer. L'ouverture. Oh là là. Il revient et qui répond au présent hein, sur cette action. Ah non. Ah, bâtard. Et on va jouer 2 minutes de plus. Aspilicueta. Riyad Mahrez. Ah, mais tu gênes pas, toi. Putain, j'ai gagné 15-0, mais j'en ai rien à foutre. J'ai battu son équipe, putain, et la dernière fois, j'ai pas battu. Quelle heure là ? Ah ouais, faut que je me dépêche, il est 8h17. Ah, même ça fait 325, je m'en fous. Ça compte ou pas alors ? Ouais, ça compte. Nice. Hein, 2300 ? Quoi ? J'ai vu 2300 là ! Mais what ? J'ai vu 2300 ? Argent. Ah ouais, j'ai même fait ça ! Ah ouais ? 3 matchs, n'importe quel match. 3 matchs, n'importe quel match. Ah ouais, d'accord, bon, pas ce qu'il veut. Ça me dérange pas. Hein. Moi des XP, hein, ça me dérange pas. J'ai un pack à y... Donc là, on est à combien ? 3 matchs. Il nous reste un match à faire. Pour avoir la 84, et comme ça derrière. Bam ! Allez ! On fait ça. Et là, marqué avec Odegaard, Academy, Foot, Champion. Donc 4 matchs différents dans Rival pour gagner. Attends, faut marquer pour gagner Odegaard. Attends. Marqué avec Odegaard dans 4 matchs différents. Bah, on s'en fout si on perd, du moment que je le marque, on s'en fout. Si je tombe avec un mec qui est nul, boum. Ah bah nickel, on a... Oh, bah là... Oh bah go. Oh, un pack jumbo. C'est quoi ça, thème gladiateur, déjeuner et thème stade. Bah, gladiateur, voyons, confirmé. Bon, voilà. On a déjà 10 000. Oui, quand même. Ouah, stylé quand même, hein. Après, c'est quoi ? Un pack Jumbo encore ? Waouh. Ah ouais, quand même. On est pas mal, hein. Transfert, hein. Est-ce qu'on va le vendre ou pas un jour, lui ? Bon, je vais faire le vendre un jour, quand même, parce qu'il fait chier, lui. Voilà, bon, on va voir les packs en même temps. Alors, on a... Putain, on a 7 joueurs rares, là, dans le pack Jumbo. Oh, putain, il est pourvu qu'ils soient encore des bons joueurs, allez. On croise les doigts.
c'est de la merde. Portugal, décès. C'est partout. CP. Oh, Jérémy Mathieu, il est où lui? Sporting. Nedjani, je connais pas. On peut pas le vendre. On peut pas. Putain. Ah, un anglais. Ah, tiens, je suis Nordin. Putain, même lui, il a descendu quand même. Oh, on a un nouveau ballon en plus, c'est bien. Alors, allez. Une grosse star, ça serait génial. Allez, les amis, on y croit. Non, c'est mort. Dès que tu vois ça, c'est mort. Même s'il est en Crystal Palace. 67. Et en plus, c'est non échangeable pour faire chier. Un peu pas. Bon, on est obligé d'accepter, écoute. Hein. Bon, on a 10 000. On se refait un petit dernier match. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit dernier match, là. Putain, mais pourquoi ils mettent des joueurs comme ça, merde. Oula, pop, pop, pop. Putain, pourquoi ces joueurs, là? Ah, Odegaard, 80... N'empêche, le Real Sociedad, ils ont quand même des belles pépites, hein, parce que Griezmann, c'est comme ça qu'il a été découvert, et là, on a Odegaard qui est en train d'être bon. Donc, en vrai, ça a de la gueule, hein. Attends, Florent Mendy, il est au Real de Madrid, il est à 80. Sanchez. Attends, Florent Mendy, il est à 89. Physique, il est à 81. Il a une note de 80, la putain. Van Bissica. C'est qui ça, Tolisso? Il y en a, ils ont des joueurs, mon gars, laisse tomber, quoi. Mais c'est quoi comme attaquant qu'il a, là? Et comment il peut pas mettre ce joueur-là, putain? Umtiti, tu mets en 86, tu le mets, tu le mets pas en remplaçant. Ozil. Thomasson. Henri. Le jeune. Moi, je pense que Henri, c'est pas une carte icône qu'il a, c'est basique. Bon, on va faire celle-là, je pense. On va essayer de le faire en champion là. On va le faire en champion, tiens, allez. On va le faire en champion. Allez, on va le faire en champion. Ça devrait le faire, mais. On va essayer, on perd. Bon, on aura tenté, puis voilà. Allez. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Quand on a eu Pépé, on est bien. À mes côtés pour le commenter, Pierre Ménès, bien sûr. Salut Pierre. Bonjour à tous. Salut Hervé. J'ai mon casque, mon micro. Il n'y a plus qu'à. Rashford, de l'international anglais. Allez, on va suivre les prêts. Et je peux vous dire que les défenseurs aussi. Ah, il faut dire qu'il est le meilleur buteur de son équipe actuellement. On verra si l'adversaire a mis en place un plan spécial pour le museler. L'arbitre qui a jeté un coup d'œil sur sa montre. Allez, c'est parti pour ces 45 premières minutes. Et puis nous, on aimerait bien avoir des buts. Voici la composition de l'équipe locale. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Allez, il a un petit peu d'espace sur l'aile. Il se présente face au gardien.
Martin Odegaard. Oh non, oh, il pouvait mettre son équipe devant. Ah putain, oh, on a vu, c'est bon. Parce que là, Pépé, j'ai même pas couru. Hein. Il était maladroit, à la limite, je me demande s'il est déjà entré dans la partie. À mon avis, cette occasion va le réveiller. Enfin, j'espère. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Là, je suis en champion si je gagne, là, putain. Un corner adressé au niveau. Et le gardien qui éloigne le danger sur ce corner. Patate! Eh ben non. Non, cette frappe qui passe largement au-dessus. Le gardien va être bon, je pense. Hein. Fino Tito. Oh, elle est belle. Nicolas Pépé. Ah, il va centrer, il va centrer. Intervention parfaite, un bon anticipation. Oh, le gardien qui nous sort là. What the fuck, regarde ça, patate. Cette frappe lointaine. Oui, c'est bien d'avoir tenté. Oh là, qui nous sort. Faut pas rêver non plus. Reçu. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Choisis la frappe. Elle frappe contrée par le défenseur. C'est encore un corner. Un corner qui va. Le gardien qui repousse le corner. Ouais, très bonne intervention défensive. Oh, ouais, je sais pas ce qu'il avait en tête. Je crois qu'il a blessé. Donné ce ballon directement à l'adversaire. Touche. On écarte le jeu. Allez, le centre maintenant. C'est Didier en touche. De nouveau une touche. Aspilicueta. Nicolas Pépé. Haute garde. Ah, oh, le numéro qu'il nous fait. Et ça va être dangereux. Voilà. Ouais, l'ouverture du score. Oh, le but plutôt mérité, hein, vraiment, pour cette équipe. Ah ouais, bon. Complètement, même depuis le coup d'envoi, c'est elle qui se crée le plus d'occasions nettes. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Number 4, Felipe Anderson. On a c'est un adversaire qui récupère cette passe. Felipe Anderson. Voilà Pépé, Rashford, ah non, ballon perdu. Eh oui, bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Oh le bâtard. Eh non, ça n'ira pas plus loin, c'est bien défendu. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oh, pas évident ce hors-jeu. Ça doit se jouer à quelque chose. Si je marque et après je remplace, je veux bien, mais après non. Van Dijk, l'adversaire. Il essaye de trouver la faille. Un centre contré. Il y a le gardien qui s'empare du ballon. Ouais, tranquille, sans souci. Non, elle est interceptée cette passe. Et attention, là il s'échappe en solitaire. Voilà, nouvelle occasion. Nicolas Pépé. Oh, que c'est bien défendu ça. Rashford. Haute garde. Elle parvient à stopper cette offensive.
Il gagne son duel. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Oh là là, c'est pas passé loin. Non, c'était pas oui, mal joué. Il faut qu'on puisse oublier cette occasion pour repartir immédiatement. Il marque à comme ça, après je suis tranquille. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Martin Odegaard. Martin Odegaard. Putain! Est-ce que avec ce genre de tentative, il peut espérer surprendre le gardien? Ah, ça manquait vraiment de conviction dans le dernier geste. Jouer comme ça, ça pouvait pas donner grand-chose. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Nicolas Pépé. Odegaard. La Pépé. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. On n'a pas très bien joué. Ah non, merde. Ça a été. Ça joue qui marque, putain, regarde là. Oui, mais non. Désormais. Oui, il faut être absolument. Oh, mauvaise relance. Oh, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. Oh, il va être rattrapé là, attention. Attention, il va marquer. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe. Ah, il faut des regards, ce qui marque pour Pépé, on s'en fout. Rencontre. Allez, après, c'est les blessés, dur à pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. Ballon qui est rendu au camp adverse. Oh, il y va tout seul, il y va tout seul. Bonne intervention. Ouh, intervention parfaite. Non, c'était pas bonne mal, anticipation. Rashford. Attention, peut-être le centre. Dele Alli. Nicolas Pépé. Encore Dele Alli. Le ballon est perdu. Brave. L'arbitre qui siffle la fin des... Ah, affiché, il est blessé, mais faut qu'il marque comme ça. Après, je suis tranquille pour les 4 buts. Et c'est donc parti pour la seconde période. On va tout de suite voir si les entraîneurs ont donné de nouvelles consignes tactiques ou pas. Ah, et même les passes, c'est pas bon. C'est cadeau. Iwan. Il avance balle au pied, cherche une solution là. Attention. Odegaard. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Il faut trouver une option disponible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il frappe! Et le gardien qui est sur ce ballon. Allez, il peut prendre l'espace. Oh, la nouvelle occasion. Attention, le centre à terre. Ballon bien négocié par le gardien. Oui, mais faut qu'il marque le garde, allez. Il a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Dele Alli, Rashford. Ah, on prend sa chance. Oh, le bâtard. Pied gauche, boum, allez hop. Dans la Lulu. Dans la Lulu, dans la Lulu, dans la lucarne. Ils prennent le large grâce à ce but. Ouais, ils ont la main mise sur le match maintenant. Bah, ils ne peuvent rien subir. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Bravo. C'est donné sur l'aile. Le centre était bon, mais il n'y avait personne. Oh, il était temps d'intervenir là. Allez. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Attention, ce n'est pas terminé.
Rashford. Merde. Repousse, ça peut revenir. Ah, la bonne qualité de ses passes. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. On cherche la faille dans la défense adverse. On cherche une ouverture, bien sûr. Oh là là, et Van Dijk et puis Anderville, putain, laisse tomber. Quoi. Non. On va assister à un changement, Pierre. Ah, Hervé, on a vu l'entraîneur consulter son staff avant de se décider. Le voilà qui va sortir. Il peut être satisfait de ce qu'il a fait dans ce match. Performance solide de sa part. Il marque un corner, le ballon qui est bien capté par le gardien. C'était frappé trop près du but ce corner. Dembélé Ali. Tu as le capteur. Il cherche une solution. Allez, Van Dijk, cours. Position idéale pour centrer. Ah non, la mauvaise passe. Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré. Non, faut qu'il marque. Allez. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils cherchent des solutions là. Ils essayent de trouver la faille. L'attaque est propre, les ballons toujours en jeu. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Martin Odegaard. Il y a un rapport. Question, il a dégagé ce ballon. Nabi Keïta. Delali. Rashford. Ah, mais ça joue vers l'avant. Ouais, il s'est pas embêté avec la relance. Hein. Boum. Atso, puissance, la puissance. Bien joué. Dele Alli. Il a frappé, il a été contré. L'intervention. Ouais, parfait, le tac, rien à dire. Corner à suivre. Absolument qu'il marque, hein, putain. Ouais, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Anderson. La passe est coupée et bien défendue. À l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Ah non, le ballon est perdu. Cette contre-attaque est terminée. Nabi Keïta. Alors qu'on entre dans les 10. Oh, les belles. Ce ballon en profondeur. Personne. On cherche une solution. Oh, la bonne occasion pour Dele Alli. Oh merde. Ouais, très bien défendu. Pourquoi il a pas avancé Oh là là. Oh, Van Dijk. Personne. Ça, c'est dangereux. Ah, j'ai joué le ballon. Rashford. Personne. Oh, l'occasion. Oh, putain de merde. J'ai loupé. Ouais, c'est bon, allez, je. Putain. Anderlecht, putain. Gatso. Bah, c'est Sozo qui est blessé. Hein. Et merde. Odegaard. Ouais, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. Oh là 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 là. Sur cette frappe. Catastrophique le mec. Je sais pas à quelle jambe qui. Ah il c'est la jambe, putain. Ah oula. Hors jeu, il est parti trop tôt. Attends, j'aurais pu gagner l'argent un peu. Jorginho. Dele Alli. Odegaard. Il progresse vers le but. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon au fer. On jouera 3 minutes en plus. 3 minutes de temps additionnel. Ouais, faute, une option disponible.
Un bon ballon qui va peut-être retrouver preneur. Et le gardien à la réception de ce centre. Lucas. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Allez. Rendu. Bon, il n'a pas marqué Undergaard, il n'a pas marqué. Bon, en tout cas, on a gagné. Une rencontre sans suspense. Mais Gagnesson du. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Attends, on a réussi à gagner en champion, dis donc. On a réussi à gagner en champion. Bon, j'aurais pu gagner largement. Par contre, il chie là, Undergaard. Attends, 1300, 1500. 1581. Oh la vache. Oh voilà. Arrête, c'est pas suffisant. Mais what, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que là, faut que je refasse un match, hein. Ah putain, faut que je refasse. Fuck off. Faut que je refasse un match, putain merde. Oh là. Oh, j'ai en semi-pro, je pense que ça va être bon. Un petit pansement. Instructeur. Ah, on peut. Ah, on peut pas le vendre, d'accord. Bon, on va le mettre en petit sniper, le mec. Hein. Le gamin. Ah, le gamin, on va le mettre en sniper. C'est bon, je crois. Hein. Allez, on va faire ça. Il nous manque 200 points, on va le faire. Stylé, le Puma. Bonjour, je suis aux côtés de Pierre Ménès pour vous faire ce match. Salut Pierre. Le mec. Bonjour Hervé, bonjour à ceux qui nous regardent. La Varane. Regardez mon nom. Il a été inauguré en 2002, ce stade olympique Atatürk, qui s'appelle Olympique, mais qui n'a donc pas reçu les Jeux Olympiques, et qui reçoit maintenant les matchs de la sélection turque, quelques concerts également. Ouais, Galatasaray n'a pas joué bien longtemps ici, Beşiktaş non plus, et Fenerbahçe encore moins. Bah oui, ils ont tous leur propre stade qu'ils préfèrent, bien sûr. Ah, elle progresse bien là. Allez, l'occasion peut-être de mener. Waouh, dommage. Hein. C'est pour le gardien, ce ballon. Allez, sortir, bien joué. Voici la composition de l'équipe locale. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Ah, par contre, je peux parler, parce que là, c'est des gros joueurs en face. Hein. Dès qu'ils essayent de passer à la ligne médiane. Et vous découvrez à présent la composition de l'équipe visiteuse. Allez. Jordan Pickford pour garder le but. Virgil van Dijk en défense aux côtés de Alderweireld. Dele Alli sera présent à le tir. C'est contré. Putain, gueule, hein. Et on a Varane en face. Et maintenant Valbuena. Verse le jeu. Ousmane Dembélé. Il avance encore. Allez, un centre, un centre. Le gardien qui dégage son camp des deux points sur ce centre. Allez, peut-être une bonne touche là. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Il cherche la solution. Diaby. Eh non, il n'a pas pu inquiéter. Ah ouais, le mais ils sont costauds là. Il n'était pas cadré. Mais what? Tu mets un semi-pro, mais ouais. Kanté. Oh, si on gagne, on gagne, on peut en perdre. Hein. Kanté. Qui a fait une formidable Coupe du Monde avec la France. En Russie en 2018, à l'exception peut-être de la finale. Ouais, mais il était malade et il a été remplacé par Nzonzi en cours de match parce que il pouvait plus. Ouais. Il s'approche du but adverse. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Alors ça, c'est n'importe quoi cette passe, complètement à l'adversaire direct. N'Golo Kanté.
Oui, Pépé, Golo et Varane, ça va être chaud. Maintenant Valbuena. Ousmane Dembélé. Diaby. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. On joue à une 2. Allez, tu cours. Nicolas Pépé. Dele Alli. Il court pas, putain. Le ballon est perdu. Il court pas, les gardes, là. Sanson. Ça te chante, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Qui, non et fait partie hein, des champions du monde. Champion du monde, non plus, ouais. Des Bleus en 2018, même s'il n'a jamais été un titulaire à part entière. Non, il ne l'est toujours pas. Maintenant, il est, on sait qu'il a un talent incroyable. Ah ouais, la bonne passe. Ah non, ça ne donnera rien au final. Ah, la défense de fou qu'il a, le mec. Courvé, tu sais qui dans le dos de la défense. Allez, il continue. Bien joué, Andy. Le défenseur intervient au dernier moment. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Diaby. Non. Et le ballon bloqué par le gardien. Allez. Nicolas Pépé. Dele Alli. Odegaard. Et c'est Valbuena qui se trouve là. Putain, Valbuena qui pique le ballon, sérieux. Valbuena est plus fort que Van Dijk, sérieux. Que Under, mais n'importe quoi. Un ballon pour l'adversaire. Il y a un peu d'espace par là. Allez, le centre maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Bien défendu, attention, faut le dégager vite ce ballon. Ah, il dégage ce ballon. Dele Alli. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Oh, désolé, là je parle pas du tout. Valbuena. C'est un truc de fou là. Loïc Rémy. Attention à la contre-attaque. À la défense qui vient revenue. Oh, merde! Et qui met fin à ce contre. Ah, bien appuyé ce centre. Bien joué. Le centre mais contré par le défenseur. Odegaard. Allez. En profondeur. Rashford. Allez. Attention à cette action. Oh non, je tiens un coup à côté. Putain. T'as la gueule de l'équipe en face là. Les bras, mais bon, il faudrait être un petit peu plus adroit quand même. Bah, quand il y a Kanté tout le bordel, là je suis un peu dans la merde. Hein. J'aurais peut-être dû mettre un moteur, moi, je crois. Une bonne transmission. Merde, non, putain. Je... Ouais, non, le gardien qui ne se laissera pas surprendre, hein, par ce tir lointain. Oui, évidemment, c'est pas brillant, comme dirait Dani, tout ça. On hein. A quand même pas grand-chose à voir. Oh, putain, mais vas-y, ouais, Pépé, là, tu fais quoi, là. Touche, donc. Ah la vache, il a pas le ballon, PDP. Parfait, un bonne anticipation. Il faut trouver une option disponible. Loïc Rémy. Diaby. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Odegaard. Oh, putain. Morgan Sanson. Arrête. Morgan Sanson. Oh là 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 là. Morgan Sanson. Mais putain, mais c'est quoi ce joueur là? C'est quoi tous ces joueurs qu'il a lui? Mais what? Sanson. Là, il faut une touche de balle. Kanté. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Ousmane Dembélé. Valbuena. Mais vous marquez, hein? Ouais, vous marquez, hein? La frappe était pas mal, hein. Ça passe juste au-dessus. Kanté. Putain, quoi. C'est ouf. C'est la mi-temps ici. Pour celle-là, c'est le dernier match, les gars. Pas de but marqué, 0-0. Putain, le match de fou, là encore. Au moins, c'est des bons matchs. C'est ça qui est bien. Même si je le mets en semi-pro, au moins. Bah, par contre, pour être bien, pour avoir des bons points, par contre, vous mettez semi-pro, vous êtes bien. Oh, putain, attention, quoi. Allez, dépêche-toi le. La seconde période de ce match. Et on se demande bien qui va pouvoir l'emporter. C'est très équilibré pour l'instant.
Dele Alli. Azpilicueta. Nicolas Pépé, ça part vers le premier poteau. Ah, le gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. Rashford. Odegaard. Putain, il a pas fait sa passe, connard. Ousmane Dembélé, on ne sait pas ce qu'il voulait faire, mais il a rendu le ballon à l'adversaire. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Dele Alli. Nicolas Pépé. Hors jeu. Hors jeu. Hey. Ah, dommage. Pépé, quoi. Putain. Qu'est-ce qu'il fait dans l'axe, lui? C'est donné sur l'aile. Allez, après tout, pourquoi pas. Mathieu Valbuena. Il centre au second poteau. Ah non, ce centre qui n'aboutit pas. Martin Odegaard. Diaby. Ousmane Dembélé. Rémi. La passe est interceptée. Nicolas Pépé. Putain, et Varane est costaud, hein. Ballon. Et maintenant Valbuena. Diaby. Fort. Rémi. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Valbuena. Virgil van Dijk qui intercepte cette passe. On va peut-être assister à une contre-attaque. Nicolas Pépé. S'il avance balle au pied, il préfère revenir dans l'axe. Martin Odegaard. Mais non, Odegaard de merde. Oh putain de sa merde. Il a un petit peu pris là quand même. Ouais, le très bon pressing et ballon récupéré. Martin Odegaard. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Dans la surface, il y a du monde. Oh, qu'est-ce que je fais? Mais oh, garde, sérieux, il est grosse merde. Hein. Putain. Allez, dégage. Allez, c'est bon, il dégage. Il saoule. Tant pis pour le jeu, je ferai plus tard. Allez, mais un changement dans cette équipe, Pierre. Et le nouvel entrant n'est autre qu'Anthony Martial. Bon, il est remplaçant aujourd'hui, mais son entraîneur est très exigeant avec lui. Du coup, il joue pas. Nelson Semedo, Raphaël Varane. Yann Oblak. Sanson. Ah, faut que je me dépêche, le match va commencer. En Ousmane Dembélé. Oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Oh la vache. Ce ballon qui est bien. Je regardais trop à droite en fait. Grâce à ce tacle. Ils font des erreurs, allez. Rashford. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Il reste exactement 20 minutes à jouer. C'est sûr que c'est un moment du match où l'équipe a besoin du soutien de son public. Ça peut faire la différence. Rashford. Allez, Rashford. Qu'est-ce qu'il va faire? Contre de Varane. En retrait pour un coéquipier. Oui! Let's go! Let's go! Oh oui! On l'aura attendu! On l'aura attendu, mais on l'aura eu sur la fin. Voilà, ça a été long à venir et c'est peut-être le signe d'une fin. Oh, le pivot, et c'est qui a marqué? Martial, bien wesh. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Allez. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Il aura fini son échauffement, il est prêt. Nicolas Pépé. Mal dosé, hein, ce centre. Directement en touche. Merde. Ouais, il tente un coup. Peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique hein, face à cet adversaire. Et encore une bonne passe. Thierry Henry. Sanson. Là, il fallait intervenir urgemment.
Ah, c'est un ballon perdu. Jesús Navas. Les supporters qu'ils savent, si leur équipe doit égaliser, c'est maintenant. Allez, ça pousse, ça pousse. C'est vrai qu'il ne reste que quelques minutes. Allez, il y a de l'espace devant lui. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Et le score qui n'évolue plus. Les deux équipes qui font vraiment jeu égal hein, pour le moment. Ligne. Ferguson. Ouh, il était temps là. Il était temps. Le ballon qui est sorti des limites du terrain. Ça va être un renvoi en 5m50. Hein? Au black. Ah, mais le mec en plus il est au black, putain. Ok. Les 6 dernières minutes du temps réglementaire. Joueux. Felipe Anderson. Dele Alli. Rashford. Oh, oh mais non, pas là. Occasion importante. La contre-attaque, elle va être cruciale. Hors-jeu. Dommage, c'était qu'ils avaient pas gagné. C'est un changement normal après tout. Ce n'est pas à eux de faire le jeu maintenant. Allez, Red. La Bekeita. Ah, merde. Ça passe directement dans les pieds de l'adversaire. Morgan Sanson. Revendique. Ballon, ils le perdent. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. L'arbitre a décompté 2 minutes hein, de temps additionnel. Kanté, Sanson, il était bien placé pour intercepter cette passe. Il n'y a même pas pénalty. On a gagné! Voilà, c'est terminé. Allez, c'est bon, on va arrêter là, les amis. Oh, on a gagné, putain, quoi. Voilà, ouh, ils ont les points. Allez, là, on est en or 2, voilà. Bon, c'est cool. Wouh, let's go, hors 2, c'était l'objectif, on l'a fait. Voilà. On a fait hors 2, on est content. En plus, on a eu 11 000. 1300 points. Bon, bah c'est cool. Je sais pas pourquoi j'ai 1300 et des bananes, là. Et pourquoi ? Bon, bah, let's go. Hein. C'est quoi, c'est un pack jumbo encore? Waouh! 26! Allez, on va terminer le live en ouvrant un pack. Allez, parti! Bon, c'est pourri. Voilà, trop pourri. Waouh, Berchic. Heureusement qu'il s'est barré le PSG lui. Hein. En plus c'est plus fort, bah putain. Les doublons, hop, ça dégage. Hop, hop. Hop, ça c'est fait. Bon voilà les amis, donc on va s'arrêter là-dessus. Je vous dis que des bijoux, de gros 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 bisous. Et à demain pour de nouvelles aventures. Allez, peace les gens. Bye bye.